Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes chéris. Je mets mes boucles hein, parce que ce soir, on va parler d'un sujet typiquement féminin, de quelque chose qui touche les femmes à 100%. Donc, mes très chers, voilà. Je sais que je suis belle. Hein. Allez, filles. Bon, comme je vous disais, ce soir, on va parler du tétraplora ou encore du quatre côtés. C'est un produit dont j'ai vanté les mérites dans plusieurs de mes vidéos. Je vous ai montré comment utiliser, que ce soit la poudre, que ce soit le quatre côtés en lui-même. Bref, je vous ai montré comment utiliser ça pour booster votre fertilité, pour booster votre fécondité. Aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Mais cette fois, je vais vous montrer comment utiliser cela pour nettoyer tout le corps. Pour vous nettoyer tout l'utérus, tout le bas là, pour nettoyer ça. Pour la simple raison que bien souvent des femmes me contactent pour me dire Rose, voilà, bah j'ai voilà mes boucles. Parler de sorcellerie, attendez, bougez pas. Bien souvent les femmes me contactent pour me dire Rose, ça fait 5 ans que je suis mariée, j'arrive pas à tomber enceinte. Ça fait 6 ans que je suis mariée, j'arrive pas à tomber enceinte. Ma chérie, tu vas tomber enceinte? Comment? Tu ne te nettoies jamais, tu ne fais même pas attention à ce qui se passe là-bas. On dit que le corps, c'est vrai qu'on dit que le corps de la femme s'auto-nettoie. Mais laissez-moi vous dire que si les problèmes existent comme les trompes bouchées, c'est bien pour une raison. Donc, ce petit traitement que je vais vous montrer ici est facile à faire. Toutes les femmes peuvent faire ça chez elles. Ne me demandez pas où vous pouvez trouver le quatre côtés. S'il vous plaît, mes chéris, quand on vous dit que l'eau de la fontaine là-bas peut te sauver la vie, lève-toi, va chercher l'eau de cette fontaine-là. Ne viens pas t'asseoir, tu écris sur ton clavier. Où est-ce que je peux trouver ça? Alors que tu as déjà la solution. Vous pouvez trouver ça soit sur Amazon, soit sur mon site, soit sur d'autres sites d'épicerie africaine. Ça s'appelle le quatre côtés. Je vais vous mettre le lien en bas. Je vais combiner ça avec le citron, avec l'ail, le gingembre et le quatre côtés. Je vais aussi vous montrer comment combiner ça avec la feuille d'ananas. Mais si vous êtes nouveau ou même si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous ici. On est passé à 1 750 000. Bientôt on va atteindre 2 millions dans 250 000. Ouais, c'est on voit ça comme. Mais moi, je suis plutôt optimiste, vous voyez. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ceci avec les filles qui ont des problèmes, s'il vous plaît. Celles qui sont fertiles, là, ne les donnez pas cette vidéo, pardon. Donnez à celles qui en ont besoin. Likez, commentez. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur Snapchat. Ok? Voilà. Mes chéris, on va passer à la préparation. Pour cette préparation, c'est très simple. Nettoyez et hachez vos différents ingrédients à part égale. Ça veut dire que si vous prenez 100 g de quatre côtés, vous allez prendre 100 g des autres. Donc, il est très important que vous preniez un ananas qui n'a pas été exposé aux pesticides. En gros, vous allez prendre un ananas bio. Quand vous avez découpé tous vos ingrédients, que c'est prêt, faites bouillir vos pelures de papaye d'un ananas normal, à peu près 200 g de pelure. Dans 3 litres d'eau. Donc, une fois que vous avez fini de peler vos pelures d'ananas, donc j'espère que vous les avez bien lavées, que tout est bien propre, vous avez pelé, vous avez voilà, découpé comme vous voyez et vous portez à ébullition dans 3 litres d'eau. Une fois que c'est bon, tous vos autres ingrédients que vous avez découpés précédemment, versez ça dans la casserole au bout de 10 minutes. Quand ça a bien cuit, vous versez dedans. Vous fermez, vous baissez le feu. Vous allez laisser tranquillement cuire tout ça, l'étouffer. Vous allez voir que l'eau va être noire. C'est normal. Après, vous allez éteindre le feu, laisser poser pendant 4 heures. Vous allez prendre chaque matin à jeun un verre. Pendant les 14 premiers jours de votre cycle, après, vous allez laisser le corps reposer. Donc, vous allez faire la même chose comme ça jusqu'à ce que, voilà. De toute façon, vous allez voir que ça va vous nettoyer. Vous allez sentir la différence entre avant et après. Vous connaissez comment utiliser ceci en purge pour tomber enceinte. Donc, ceci, c'est vraiment pour vider, nettoyer l'intérieur de votre corps. Vous allez voir que vous allez... beaucoup plus de sécrétions vont sortir. C'est normal, d'accord? Maintenant, j'aimerais vous dire que malheureusement, cette boisson est interdite aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux personnes ulcéreuses. Les hommes aussi peuvent boire ceci, mais pour eux, il faudra qu'ils rajoutent juste un petit peu de curcuma, à peu près 2 cuillères de curcuma, c'est tout. Vous pouvez aussi utiliser ceci en bain de siège. Donc, pour celles qui souffrent d'ulcères,
qui ont des problèmes intestinaux, tout ça, voilà, vous pouvez tout simplement utiliser ceci en bain de siège. Les 3 litres, malheureusement, vous allez verser ça. Donc, vous allez faire bouillir les 3 litres. Vous allez porter les 3 litres à ébullition et vous asseoir dessus pour que la vapeur monte. Et ça va les aider grandement. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez les poser directement dans les commentaires.